Je m'appelle Vincent Arnaud. Je suis le seul rescapé du crash du Londres-Seattle du 5 septembre. L'avion s'est écrasé quelque part, dans le Grand Nord canadien. J'attends désespérément du secours depuis des jours. Et pour l'instant, je survis. Vincent Arnaud, jour 59, première entrée. Bon, allez pas croire que j'ai pas bougé la nuit. Je suis rentré me coucher, etc. Mais comme finalement j'avais pas fait grand chose hier, je me suis réveillé assez tôt et j'étais plutôt en forme. Du coup, je me suis dit autant terminer ce que j'avais commencé. Et j'ai décidé de refaire un feu et de continuer de cuire la viande qui me restait. Je vous dirais bien qu'on va avoir l'occasion d'assister à un magnifique lever de soleil. Mais malheureusement, il y a un épais brouillard qui nous entoure. On arrive à voir un peu plus loin quand même. Quand le soleil se lève, je réfléchirai peut-être à mettre en route vers la cabane ou alors à aller nettoyer le lac des loups, je sais pas encore, ça me paraît assez ambitieux, mais faudra bien que je le fasse à un moment donné, parce qu'ils sont ils vont clairement être problématiques au bout d'un moment. Je pourrais également aller chercher du bois, mais là je pense surtout à tout ce que j'ai laissé à l'abri. Enfin, à la tour de guet, que je ferais bien d'aller chercher, parce qu'il y a pas mal de nourriture, il y a des outils qui pourraient me servir, et accessoirement il y a mon sac de couchage qui que j'ai pas envie de perdre, en tout cas, ça c'est sûr. Bref, je vais pas continuer la vidéo plus longtemps, je vais couper, terminer ce que je suis en train de faire, et je reprendrai dès que je me mets en route. Je coupe la vidéo. Vincent Arnaud, jour 59, deuxième entrée. J'ai fait une découverte très très importante grâce à ce bouquin auquel j'avais pas vraiment prêté attention. En fait, je sais pourquoi j'étais malade après avoir mangé de la viande de prédateurs, d'ours et de loups notamment. C'est à cause des parasites intestinaux, en fait. Les parasites intestinaux colonisent les nerfs de la viande de prédateur. Et en les ingérant, on peut les contracter nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en fait, ce livre explique qu'en dénervant la viande, on peut tout simplement éradiquer le problème. Alors il faut évidemment bien cuire la viande derrière, mais... Déjà, je peux désormais cuire la viande de prédateur sans risquer de tomber malade. Donc c'est une très très bonne nouvelle. J'avais pas fait attention à ça, j'avais pas fait attention à ce bouquin. Et du coup ça va grandement m'arranger. Pour ce qui est de la nourriture, et ça me donne d'autant plus envie d'aller m'occuper des loups qui peuplent le lac en bas. Je vais quand même pas changer mon plan, je vais d'abord aller récupérer les affaires que j'ai laissées du côté de la tour de guet. Mais c'est une bonne nouvelle, et ça pourrait grandement m'aider dans ma survie sans risquer d'attenter à ma santé. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vais garder ce bouquin précieusement, ça a l'air d'être un recueil d'informations utiles. Allez, je coupe la vidéo.
Vincent Arnaud, jour 59, troisième entrée. Je suis en train de me mettre en route, vous voyez le brouillard s'est pas franchement levé. Ça va pas forcément m'aider à retrouver le la tour de guet, mais bon, la température est supportable. Il est encore relativement tôt le matin. Je préfère me mettre en route de maintenant. Je suis parti avec vraiment, je vais dire le minimum syndical, en tout cas aussi peu de d'équipement que possible. Et je vais essayer de procéder par étapes en joignant d'abord les îlots qu'on avait vus un peu plus loin. Un nouveau loup par là-bas. Dessert de ce côté, on ferait mieux de rester de ce côté-là peut-être. Ouais, pardon, je vais donc essayer d'abord rejoindre les petites cabanes qu'on a juste ici. Ensuite, je suivrai la route jusqu'au rondin. Et à partir des rondins, je me mettrai en route vers la montagne. En espérant que tout se passe bien. Je me rappelle pas d'avoir trouvé un corps ici. Oh. Bon. Nouvelle victime de l'enfer blanc. Allez. Désolé mon pote. Ok, les maisons sont juste ici. On va continuer à avancer. Il y a l'air d'avoir des quenouilles qui poussent par ici. Je vais jeter un petit coup d'œil quand même. Vite fait, avant de partir, mais il n'y a pas l'air d'avoir de tête a priori. Du coup, ça m'intéresse quand même un petit peu. Ok. Bon. Je vais pas monter par là déjà. C'est pas si mal de pas être grand parfois. Je vais me mettre en route et puis Et puis je peux pas passer par là non plus. Bordel. Et je vais essayer de suivre l'itinéraire prévu. Sans trop de problèmes. Je me rappelle pas si j'avais fouillé l'établi, je pense que oui, mais je pense que non. Clairement. Très bien. Parfait, je me charge un peu plus avant de partir. C'est super. On va jeter un petit coup d'œil. On se rappelle qu'on avait vu passer un ours par ici. J'ai pas forcément envie de tomber nez à nez avec. Ok, allez, je vais couper la vidéo. Je reprendrai au niveau du de la Syrie. Vincent Arnaud, jour 59. Quatrième entrée. Je viens d'arriver au niveau de la Syrie. Et là d'avoir pas mal de loups dans les environs. Je vais essayer de me rapprocher. La viande de loup. Vous voyez, il y a un loup là-bas, déjà. J'en ai vu 2-3 autres. Pas très très loin. La viande de loup, du loup que j'avais abattu, est toujours ici. Je vais sans doute essayer de la récupérer en redescendant. Vu que c'est peut-être une option pour m'en occuper désormais. Il y a une route ici. J'imagine qu'elle devait servir au camion descendant les troncs de la forêt, quelque chose comme ça. Je vais prendre cette voie là et je vais essayer de remonter, voir si je peux remonter en tout cas, jusqu'à la tour de guet. Allez, je coupe la vidéo.
Vincent Arnaud, jour 59, cinquième entrée. Je suis arrivé à une sorte d'intersection. J'ai l'impression de m'éloigner un peu de la cabane, du coup j'ai plutôt envie de repartir par là-bas. Je vais quand même essayer de suivre cette piste encore un petit peu, mais si jamais je m'enfonce trop dans la forêt, je pense que je ferai demi-tour. Et que je repartirai dans la direction opposée tout en essayant de monter en espérant rejoindre... rejoindre la cabane un petit peu, la tour de guet un petit peu plus loin. On est dans une sorte de clairière, j'imagine. On a un bâtiment. Ok, on a une sorte d'algéco, hein, une sorte de mobilhome ici. Vous voyez qu'il y a pas mal d'arbres qui ont été coupés. Ça devait faire partie de des clairières auxquelles les bûcherons du coin avait décidé de mettre un coup. Il y a pas mal de champignons également. Enfin, peut-être que je m'en occupe, mais je vais d'abord visiter ce mobilhome. Allez. Comme souvent, ils sont. Ils ont l'air d'avoir déjà été visités. Tout est vide, ouais. Tout est vide. Ça a déjà été visité. Ça a clairement déjà été visité. Je me suis même demandé pendant une seconde si c'est pas... si c'est pas le mobile dans lequel j'étais déjà venu, mais il me semble que la configuration était différente. Du coup, je vais pas perdre plus de temps ici. Temps de boire un coup et je me remets en route. Allez. Ok, je vais essayer de repartir vers cette en direction de cette route qui nous surplombe. Ouais. Putain. J'aurais pu faire le tour. Mais ça avait l'air tellement plus simple. Bah c'est par là. Ok. J'ai pas la moindre idée de là où je suis, pour tout vous dire. Je pense que je me suis aventuré un petit peu trop loin dans la montagne. Je vais voir si je peux rattraper. Je pense que la tour de guet est beaucoup plus loin par là-bas en fait. Et c'est pas complètement fait pour me rassurer, mais pour l'instant je vais essayer de suivre cette voie. Non, je suis en train de... je pars dans la direction opposée. Il va falloir que je fasse demi-tour. Ok, on a encore. Le soleil a l'air à peu près au zénith, donc j'imagine qu'il doit pas être loin de midi. Il a l'air également de lentement percer au travers des nuages. Ça, c'est pas la plus mauvaise nouvelle. Oh putain. Ok. J'ai trouvé une voie de chemin de fer et ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a du charbon également. Ok, on va essayer de retrouver le corps au-dessus duquel volent les corbeaux. Il a l'air d'être un peu plus en hauteur, je suis pas certain de pouvoir l'atteindre. Je vais fouiller ce mobilhome, on va espérer que j'ai un petit peu plus de chance que ce que j'ai eu depuis le début avec ces mobilhomes.
Bon, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Allez. Un nouveau boîte. Quoi de vêtements. Des oreillers, ça va pas me servir. Ah, grand chose. Des chaussettes de marche, ça c'est bien. Chaussettes d'escalade, peut-être. Il va falloir les laver avant, quand même. Ok. Bon. Pas grand chose d'autre, a priori. Une lampe torche. Un bouquin. Un tiroir vide. Et un petit peu de bois. Ben vous savez quoi, ça suffira. Ça suffira à mon bonheur. Je fais je vais essayer d'aller voir Oh merde. Ok, apparemment le Ah, le tunnel s'est effondré. Je peux pas passer par là. Bon. Il y a dû avoir un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Ici, il peut pas. C'est pas possible qu'il y ait autant de. Qu'il y ait autant de routes effondrées, de. Que la montagne soit dans un état pareil. Merde. Ok. On a une nouvelle victime de. De la montagne. Désolé petit vieux. Allez. Je vais faire un tour vite fait. Essayer de voir où ça mène de l'autre côté. Et ensuite je remets en route. Le soleil est haut dans le ciel, mais il a l'air très très bon. Il doit y avoir une énorme cascade à proximité. Parce qu'il y a un... J'imagine que vous m'entendez, il y a une espèce de bruit assourdissant. Et d'autres corbeaux qui volent ici également. Ok, on vient de trouver la cascade. Qui est gelée, évidemment. À peu près absolument tout ici. Je vais... pas m'aventurer plus loin, il y a un nouveau tunnel. Juste m'assurer que ce tunnel là est pas effondré. Ça pourrait nous faire une nouvelle porte de sortie. Si je me trompe pas, on est du côté où la route s'est effondrée justement. Ok. Le tunnel est pas effondré, je vais le noter sur ma carte. Et je vais me remettre en route. Allez, je coupe la vidéo. Bonsoir Arnaud, jour 59. Sixième entrée je crois. En redescendant, je suis tombé. Enfin j'ai vu de loin un toit. J'ai essayé de m'approcher, il y a l'air d'avoir des lapins, donc du coup on peut imaginer que c'est un endroit relativement safe. Je vais en profiter, je vais pas faire la chasse aux lapins maintenant. Par contre je vais clairement essayer de visiter cet endroit. Et voir si je trouve quoi que ce soit d'intéressant à l'intérieur. Ça a l'air d'être une cabine comme j'en ai vu déjà pas mal dans les environs. À l'exception des lapins, de lièvres qui se promènent autour. Allez. On va espérer avoir un peu de chance ce coup-ci. Bon. Effectivement, c'est une... Waouh. Ok. Cette cabane n'a pas été visitée. Il y a des restes, des conserves, une plaque électrique qui malheureusement va pas nous servir à grand-chose. Rien par ici. Ok, lampe torche, oreiller,
Un tiroir. Des vieux gants, mais je peux toujours récupérer du cuir dessus. Une pile de papier. Vache. T'as vraiment envie d'avoir une photo d'un ours chez toi. J'ai une glacière ici. Il y a un peu d'eau, c'est déjà pas mal. Parce que j'en ai pas pris beaucoup. Du bœuf séché, fusée éclairante. Enfin. Ok, la poubelle est vide. Ah, du beurre de cacahuète ici. Cafetière, qu'est-ce que j'aurais pour m'en servir? Un balai. Ok. Y'a rien de... Y'a rien d'extraordinaire, mais j'ai trouvé un petit peu de nourriture. Et ça, c'est déjà pas mal. Je vais sortir, noter cet endroit sur ma carte. Et je me remettrai en route en direction de la tour de guet, même si je commence à être un peu inquiet parce que... le jour avance et moi j'ai plus toujours l'impression d'être en train de me perdre. Je coupe la vidéo. Bonsoir Arnaud. Jour 59. Septième entrée. Je crois que je viens de retrouver mon chemin. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le... Ouais, c'est ça. C'est l'abri... c'est le mobilhome que j'ai trouvé quand je suis sorti de la mine. Du coup, je suis à nouveau en terrain inconnu. Et c'est pas la plus mauvaise des nouvelles. Je vais continuer, si je dis pas de bêtises, il faut que je remonte ici. En fait, je vais noter cet endroit sur ma carte, ce sera déjà fait. Il faut que je remonte cette route. Et ensuite, la tour de guet devrait être par là-bas à peu près. Je vais simplement essayer de pas me perdre cette fois-ci. Et je pense que je vais dormir à la tour de guet ce soir parce que j'aurai pas le temps de redescendre. Mais bon, j'ai tout ce qu'il me faut là-bas, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, de quoi faire du feu s'il fait trop froid. Donc a priori, la situation est loin d'être catastrophique. Par contre, je pense que vous l'entendez. Les loups ont l'air relativement actifs dans la région. Ça me change pas trop, vous me direz, mais c'est pas non plus spécialement fait pour me faire plaisir. Non, vraiment pas. Bref. Allez, je coupe la vidéo. Je la reprendrai en arrivant au niveau du de la tour de guet. Peut-être avant si... jamais il y a le moindre événement d'intérêt. Ouais, c'est ça. Par là-bas, c'est la mine. Et ensuite, là-bas, c'est la tour de guet. Je coupe la vidéo. Vincent Arnaud. Septième entrée. Je suis en train d'arriver au niveau... Bordel, casse-toi. Allez, dégage. J'aurais bien shooté, mais le problème c'est que je vais déjà être très chargé pour redescendre. Et j'ai peur que porter davantage de viande sur le chemin fasse de moi une cible encore davantage privilégiée pour les prédateurs. Je vais essayer de manger la viande que j'ai en haut. Et ensuite je verrai ce que je décide de faire. Bon, c'était une sacrée excursion quand même, je suis bien fatigué. J'espère que ma viande est pas en trop mauvais état. Elle a pas bougé d'un iota, elle est toujours aussi collée. Ah, elle a pas l'air de sentir mauvais. Donc, a priori, mon congélateur géant fonctionne. Si je vous dis pas n'importe quoi, je viens de là-bas. Et je suis passé par ici. Ça fait une sacrée excursion quand même. J'ai encore tout ce coin-là à visiter. Il y a des montagnes apparemment, j'ai un peu peur d'être bloqué de ce côté-là, mais ça, j'imagine qu'on verra plus tard. Il y a une voie ferrée là-bas, il y a la cascade.
Je pense que le pont qu'on avait vu au loin doit l'espèce de petite rivière, enfin rivière, c'est un grand mot, mais en tout cas la source d'eau, le ruisseau qui arrivait dans la mer. Je pense qu'il venait de cette cascade. Du coup, il y aura peut-être des quenouilles par là-bas. Ce sera peut-être intéressant également. Maintenant là, je pourrais partir du côté de la voie ferrée, la route est effondrée par là-bas. On a une route également qui suit ce chemin-là. Est-ce qu'elle est en meilleur état? Je n'ai pas la moindre putain d'idée. Mais bon, j'imagine qu'on verra. Pour l'instant, je vais me mettre à l'aise, boire un coup, manger un morceau. Et essayer de récupérer un petit peu. Je coupe la vidéo. Ok, Vincent Arnaud, jour 59. 8ème entrée. Plusieurs choses. Alors déjà, je vais être beaucoup beaucoup trop chargé pour tout transporter en un voyage. Par contre, j'ai repensé à un truc, c'est que j'avais vu une corde d'escalade là-bas. Et il y avait une corde d'escalade là-haut. Peut-être, en la déployant ici, je devrais pouvoir faciliter le trajet. Alors c'est pas l'Amérique. Mais pour descendre, ça pourrait peut-être le faire si je suis pas trop trop chargé. Quant à si ça va me faire gagner du temps ou pas, j'en ai aucune idée. Comme vous le voyez, le soleil est en train de se coucher. Je vais passer la nuit ici comme prévu. Et je vais essayer de d'alléger mon fardeau autant que possible en consommant de la viande et de l'eau. Je laisserai de l'eau ici au cas où, on sait jamais, ça pourrait peut-être me servir ou peut-être servir à un autre vénard dans mon genre. J'ai pas mal de vêtements aussi que j'ai laissé dans ce placard. Je vais essayer de recycler, enfin de mettre en pièces. Je dirais ce que je fais pour tout ce qui est du charbon. J'ai récupéré les boyaux séchés. Tout ce qui touche au bois, j'y touche pas. Les conserves, pareil, ça pourra servir à faire de l'eau. Par contre, je vais récupérer le faitout, ça c'est sûr. Et la peau de la fourrure de cerf, je vais la récupérer également. Bien, j'ai quand même pas mal à faire cette nuit. Donc je vais y mettre tout de suite. Et ensuite j'irai me coucher parce que c'est encore une journée qui m'a bien mis sur les rotules. Allez, je coupe. Ok. Vincent Arnaud, jour 59, 9ème entrée je crois. On a droit à un ciel absolument magnifique. Ce soir, il est très très tard, on ne doit pas être loin à, je sais pas, minuit, 1h, 2h du matin. J'ai passé la soirée à mettre en pièces divers vêtements et j'ai pas eu le temps de tout finir. Je suis en train de me demander si demain je vais pas rester ici et continuer à travailler histoire d'être aussi léger que possible. Mais pour l'heure je vais aller me coucher et puis je ferai tout ça demain. Je suis un peu KO. Ça a été une bonne journée, on a pas mal avancé. Et puis on verra ce qui se passe demain. Allez. C'était Vincent Arnaud. Jour 59. Fin.